Non mais... Pff. Mitsu qui est là depuis le début en fait. Hein. Mitsu caché parmi les mêlistes. Pendant que cette grande finale Orcs va bientôt se dérouler. Verdi. Verdi. Merci. Ce serait incroyable. Le monsieur, il a soif, le monsieur. Allez, on a donc la représentation en noir et rouge. Orcs eSport, évidemment, les deux représentants de la line-up Smash 4 de Orcs eSport. Une équipe eSport qui commence d'ores et déjà à se multi-gamer, dirais-je. Avec l'annonce dernièrement d'une équipe, d'une line-up Clash of Clans. Faut le savoir, voilà, faut le savoir. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Ils ont une line-up Splatoon aussi, une très bonne line-up Splatoon. Deux d'ailleurs. Donc il y a un eSport Splatoon. Il y a un eSport Splatoon qui est très très bon. Et je vous recommande d'ailleurs de vous intéresser à l'eSport Splatoon pendant qu'on se lance dans la grande finale, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. La grande finale de cette Dante Arena 17.2. On a Omika, pardon, contre Alex Yao. Bon, allez, c'était plus ou moins annoncé les 22h40. Non, on a fait plutôt. Voilà, on y a fait plutôt que la dernière Nantes Arena. Si Elmayor est dans le coin, chopez-le. Enid. Voilà. Complètement le set qui est entre ces deux là, mais c'est complètement even. Ouais, c'est complètement even, hein. Mais pour l'instant, bah, des mecs qui se connaissent, hein, qui ont l'habitude de jouer ensemble, dira-t-on. Et alors, du coup, Alex Yao est loser side, ce qui veut dire que bah, chaque set va compter, puisqu'on pourra se diriger potentiellement vers un reset. Mais pour l'instant, ça se passe bien pour le Omika qui a pas décidé de lâcher son reset comme ça. Oh ouais, c'est pas mal, c'est bien tenté, mais à mon avis je pense que ça va revenir avec la seule trouvée. Ouais, il se passe juste avant qu'il touche le ledge. Ah oh ouais, là le coup frame punish qui était on point, hein, qui était vraiment à l'heure. L'épée Luma. Ouais, meilleur épéiste, hein. Ah oui, toujours, hein. Le même ne meurt jamais. Et donc Omika pour l'instant avec un petit avantage, mais il est clairement à qui le pourcent. Sur une paire, sur un risque peut-être de paire. Forward air pour dégager, deuxième forward air pour dégager Harmony. Le B2 qui a touché, mais il n'y a pas eu le dernier coup. Peut-être trop bas. Ouais, le reverse fair qui sauve la vie de Omika. Ouais, mais là, le EPR, par contre, on va pas déconner, hein, non plus. Hein. On s'appelle Rosalina, on est pro plume sur Townland City avec un EPR. Évidemment que ça tue. Évidemment que ça tue, on est un partout, 0%. Les pendules sont à l'heure. Et inutile de vous dire qu'à 7h française, c'est-à-dire 22h45, si vous nous rejoignez pour cette grande finale de la Nantes Arena 17.2, la tension est à son comble. Qui va donc repartir avec. Est-ce qu'on va avoir un reset? Pour l'instant, c'est even, ceux qui cherchent, on voit, voilà, et ceux qui ont venu d'essayer d'appliquer une pression et peut-être qu'ils s'enfuient plus longtemps qu'ils peuvent, mais ils vont perdre l'Uma. Peut-être un ledge trap, non, un juggle, quelque chose bloqué sur cette plateforme. Un dash attack, peut-être un missing boot. Ah, et un atterrissage complètement gratuit. Malheureusement, il a eu un peu trop long. Voilà, laisser une Rosalina sans l'Uma atterrir comme ça, c'est quelque chose que j'espère ne va pas réitérer à l'encontre de l'ex. Clairement, il va pas arrêter, mais pour l'instant, la Rosalina qui commence à se gaver. Mais non, pas du tout, avec le nerf là directement qui va venir mettre un sweet spot bien senti. Ça mènera nulle part, malheureusement. On est toujours à even pourcent. Les deux qui sont au coup d'à-coude. Nerf, fer, Elian, c'est ultra serré. On a vu le flash, c'est un peu vite tout à l'heure, donc c'est le nerf. Correction du coup instantanée de l'Exo qui change ce cadavre, son combo à la DI. Et ouais, ça touchera, ouais. Très beau. S'est fait surprendre, hein, le Omika. Il s'est fait surprendre là-dessus, 1-0 pour l'Exao. Ouais. On a vu qu'il a tenté une option comme ça, le début peut-être du forward air, il a tenté une option agressive mais vraiment trop lent. Et donc il s'est fait taper dedans par le forward air de... Il s'est fait taper dedans, exactement. Comme tu dis si bien. Restez en vie. Comme tu dis si bien, il s'est fait taper dedans. Allez, ça réfléchit, hein, côté Omika, ça réfléchit. Est-ce qu'on va se rediriger vers Internet City? Je ne sais pas, je n'en suis pas convaincu. Parce que là, concrètement, les options de stage, un petit Battlefield, ça ferait du bien, je pense, pour Rosalina. Un Battlefield, ben en fait, ça ferait. Le terrain étant plus petit, on a vu, c'est vraiment le jeu, c'est le plus agressif. En fait, j'ai rien dit. Alors, tu as complètement deviné, tu as lu le futur. Voilà. Voilà. Prédiction. TPK dans Xenoblade Chronicle, dans Xenoblade 2 en DLC, c'est annoncé ici ce soir à Nantes Arena. Ou peut-être que non, ou peut-être que non, parce que les mecs, attends, on s'est peut-être trompé de stage.
relatif. TP4 en Xenoblade X du coup. Du coup dans X hein, je suis là-bas hein. Je suis là-bas, cherchez-moi pas. Ne me cherchez pas. Allez, je me demande vraiment du coup quel va être le vrai stage du coup. On va se diriger vers... Ok, traversé de l'Aelat. Bon, l'Aelat tout du moins il y a le triplate, donc ça c'est intéressant. On a le triplate qui va permettre un petit peu de ralentir la progression aérienne d'Antidobi. Et puis ça peut être gêné son zoning au shuriken. Et voilà, et le juggle qui va être absolument infâme. Ouais, ouais. C'est déjà le début du drame. Et ouais, le stage qui commence déjà à se manifester hein, dans l'avantage. Et bien pour le match-up Rosalina Antidobi aussi. Hein, les triplates, sachez-le, qui vont casser les combos en d'air, en footstool d'air d'Antidobi. Puisqu'ils sont, sont vraiment très bien placés pour le coup. Et ça va empêcher Alex Diao. Directement dans le juggle. J'ai vu qu'il peine à bouger le sol. Oh la très jolie neutre alerte. C'est une urgence. Le smash qui n'a pas rien. Le mat qui est mort. Deuxième et smash. Tranquillement, il prend son temps. Il a une petite pause après la chop pour gagner le plus de secondes possible. Je voulais juste noter quand même que Omika a esquivé deux up smash et un dash grab hein, quand même hein, dans le plus grand écart. Malgré la grosseur de box de son perso. Hein. Malgré la grosseur de son perso, pour l'instant even pour ça encore une fois, mais c'est vous dire hein, comment les deux sont au coude à coude. Je rappelle qu'on a le numéro 1 officiellement PR contre le numéro 4 officiellement PR français jusqu'aux dernières nouvelles qui s'affrontent. Et bien sous vos yeux sur cette grande finale de la Nantes Arena 17.2. Allez là le tentative de DI trap, ça ne mènera nulle part, il n'y a pas le Luma, la dash attack qui ne mènera nulle part hein, pour l'instant c'est compliqué de trouver la solution là. Et tel les deux persos qui sont en stage qui devraient construire à grosse goutte, parce que surtout sur l'Aelat, leur risque n'est pas forcément le plus évident à enlever. C'est clair. Et il est passé derrière avec là le cross down. C'était une très bonne utilisation de la le profil dans le plus. Voilà. Le Lala est débranché et le roll, le puni du jab, un jab d'armée qui est puni, ça fait toujours plaisir. Et là concrètement ce qui a tué Omika c'est le fait que Luluma était derrière quand Rosalina faisait le jab. Oh ok, c'était pas mal, ça a permis eh bien, de se donner quelques sueurs froides. Petit avantage psychologique hein, côté Elex Diao. Même si voilà, attention, là la tentative de ledge trap, il est patient, le Omika. Il sait ce qu'il faut faire avec le der malheureusement. Attention à l'Aelat, hein. C'est capricieux hein, le terrain, on le répète. Hein. À sa volonté propre, c'est le troisième joueur, le punish du up smash malheureusement raté. Oh le down air et le knockback énorme, en plus les 2% ça c'est la zone, il y a seulement 19% malheureusement malgré le stock qui est relativement tôt. On va au MK, bloc et c'est sur ses plateformes et en l'air. Il a bien fait, hein. Là, il a complètement mis le nerf. Il n'y a plus de double saut, il n'y a plus de double saut. Attention! Oh alors il s'est donné le petit élan pour essayer bien d'esquiver le smash pour rattraper le ledge derrière. 25%, 72%. On est bon pour l'instant, on est bon côté Omika qui continue à faire grimper les pourcentages, même si l'Exao ne l'entend pas de cette oreille. Et vu la taille de l'oreille d'Amphinobi, laissez-moi vous dire que la métaphore est toute choisie. Hey, il a bien chargé le F-Smash, ça mènera nulle part. C'est compliqué de trouver la solution d'un côté comme de l'autre. Qui aurait pu être terminé si la bacquère de tout à l'heure avait été celle de Luma et pas de Rosa. Okay. Le F-Smash qui est trouvé mais pas jusqu'au bout. Cette belle Lila, je ne sais pas vraiment. Il n'a pas connu ça jusqu'au bout. C'est curieux. Je pense que c'est surtout l'angle avec la flottinesse. Oh, le F-Smash de Rosalina. On est à un partout. Un partout. Un partout, on a un Omika qui commence déjà à dire il n'y aura pas de reset. Ça sera pas, ça se passera pas comme ça, il n'y aura pas de reset. Pas chez moi. Il n'y a pas de ça chez moi. On part sur Town and City. Un public endormi. Est-ce que s'il vous plaît, mesdames et messieurs, la Nantes Arena pour le troisième set, est-ce que je peux avoir du bruit pour Omika Alexio ? Merci beaucoup, le public qui est en train de s'endormir sur ses lauriers. Et pour l'instant, eh bien, on a l'un partout. Balle de reset qui potentiellement peut se jouer si Elexiao arrive à prendre cette game. En tout cas, pour l'instant, il est bien légèrement de la partie. Mais on voit un Luma qui est maltraité. SOS, Luma maltraité, Luma décédé. On a entendu le petit cri. Et Omika, malgré son manque de Luma, malgré le fait qu'il était sur le ledge, a su garder son calme. Et on voyait offstage Elexiao. Il frappe sans le Luma, non. La neutre alerte de très bon outil de Rosalina, mais sans le Luma, beaucoup moins de hitbox dessus, beaucoup moins de danger.
Jab confirme, non, jab de travers, ça ne passe pas du tout. Il va encore envoyer le stage, il n'aura rien du tout. Il n'aura rien du tout, mais c'est comme ça qu'il faut se débarrasser du Luma. C'est dans ces situations qu'il faut profiter. Mais là, le Omika qui fait un choix très intéressant, à savoir qu'il pousse vers offstage pour gagner un maximum de temps. Et le mix-up. Ah, ça a failli tuer, hein. On a transpiré du bas du dos là-dessus. Oui, parce que comme tu disais, il essaie de pousser offstage. Du coup, Omika qui s'habitue à dire complètement vers l'eau. Et d'un seul coup, il se prend une paire. Que se passe-t-il? Et le up smash. Oh là 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 là. Garçon, c'était quoi? C'était un spacing absolument impeccable de Omika qui, qui était juste en dehors du move de Xiao, qui était je crois une dash attack. Oh. On la connaît, on l'a vu la Dabuzz, rappelez-vous Dabuzz Mister Air. On la connaît, ça tuera pas ça par contre. Et ouais, Xiao qui a du mal à trouver le setup pour que ça soit un petit peu fatal. Oh là là, le Luma. Le Luma qui s'est intercalé, qui s'est mis dans la mêlée, qui a dit tu ne toucheras pas ma maîtresse. Sa mère. Carrément. Ah oui, c'est leur maman. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, c'est pas pour... pour sa maman. En tout cas, il n'y a plus de Luma et Lexiao. C'est le moment de profiter. On est retour sur la plateforme. Et Léo Mika qui gagne du temps. Il s'extirpe tout de suite. Hein. Il dit c'est pas mon... c'est pas ma guerre, mon général. Il gagne pas du temps, il gagne des games. C'est pas ma guerre. Oui. C'est pas important de mettre la... la forwarder parfait. Space, très joli. Oui. Donc on a vu, voilà, Omika qui a finalement s'est fait rire son option sur le ledge par Elec. Jab, jab, le travers. Oh. Et ça tue pas. Ça tuera pas, mais c'est incroyable comment c'était bien senti. Le down air qui était très bien passé. 90%. Oh là, le Luma. La dash attack qui est négatif en 8 parce qu'il a pas 10%. Arrêtez-le, le Luma, le up smash qui va pas être... fatal, Eliane, qu'est-ce qu'on peut faire côté Lexiao là concrètement? Là, il va falloir un, quelque chose, un truc tout le combo. Étape 1, se débarrasser du Luma. Étape 2, taper Rosalina. Étape 3, je sais pas. Étape 4, le profit. Oui, le profit. Oh, il a le downer, ça peut tuer. Oh, ça tue là, alors. Option numéro 1, DI. Option numéro 2, Rosalina. C'était quoi concrètement? Enfin, là, j'ai pas compris. Je pense pas que la DI était dégueu. Oula, numéro 3, il s'est pas attendu. Ce match est truqué. Ce match est truqué, évidemment, vous le savez. Dédicace au Karabatic qui nous regarde. Ça, c'est évident. Le fameux bouton win. Ah oui. Le fameux bouton gagné. Il se trouve exactement au centre derrière. Voilà. Il faut avoir un tout petit doigt pour le toucher. Il faut avoir des tout petits doigts. 1, parti. Il est sur l'écran de l'autre. Allez, en tout cas, potentiellement balle de match pour cet Omika qui est en train de se placer comme le grand gagnant de cette Nantes Arena 17.2. Mais Lexiao, il va essayer de jouer la balle de reset. Hein. C'est pas encore fini pour la grenouille française. Il a pas montré toutes ses ressources. On l'a vu, là, il a une capacité d'adaptation clairement présente. Ouais. Et pour l'instant, ça se passe bien. Son début, son up smash non puni. Le roll qu'il eut. Mais encore une fois, un petit peu trop lent de la part d'Omika. Un peu trop lent, ouais, comme tu dis. Un petit peu trop lent, voilà, non. Tous ces rôles qui sont toujours lus par ces rôles de panique, qui sont lus par Omika, mais juste en dehors de la portée. Peut-être encore une fois la... le fait que ça se baisse un petit peu. Et le read. Et ça ne tue pas. Et ça ne tue pas par une obscure magie vaudou. Mais voilà, il a bien attendu Omika, hein. Il a bien attendu le hydro pump pour remettre le billet. Attention. Oh. Ouais, tu vois, c'était pas l'ilat, hein. C'est vraiment la flottinesse de Rosalina. C'est le fait que ça touche toute la forme, en fait. Genre le perso doit toucher le sol à un moment et ça doit bugger dans les autoliques. Ah, pas bête. Pas bête. Oh, la forward. Les gars, mais en river, ça sera, ça tuera pas. Pas bête. Et donc voilà, voilà le Lexiao qu'on connaît, qu'on adore. Le Lexiao qui t'a téléchargé, qui dit bon, c'est bon, maintenant j'ai plus besoin de m'approcher. Comme d'habitude. Bah, c'est très patient. Oh, il tourne autour. Il a raison, il tourne autour avec cross-up. Il fait des sauts vides pour essayer de passer derrière. Parce que là pour l'instant, c'est comme ça. Oh, il faut concrétiser. Omika avec le down throw upper qui est à une stock de finaliser cette Nantes Arena 17.2. Bah non, mais j'ai rien dit. Alors, est-ce qu'on va finir la Nantes Arena avant 23h? Est-ce qu'on va finir la Nantes Arena avant 23h? Un rêve accompli, mesdames et messieurs, nos prières ont été exaucées. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Nantes Arena de finir à l'heure, enfin on n'est même pas du tout à l'heure, mais de finir avant minuit. Oui. Quand il y avait 5 inscrits. Quand il y avait 5 inscrits. Et les petits combos d'Elixiao. Allez, Lexiao qui est en train maintenant de faire la foreuse, hein, dans le shield, hein, c'est encore ce qu'il a de mieux à faire, mettre la pression quand c'est en l'air.
le smash qu'il trouvait. Et je crois que. Est-ce que Mika a encore son saut? Non. Et il trouve le sol. Ah, ici, il trouve bien pour l'instant le jab 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 ici avec le Luma qui est là. Oh oui, on a vu le Star Blitz qui a commencé. Vous avez dit de. Mais tu n'as pas empêché Luma de prendre des coups. Et la forward air qui rate, mais Luma qui meurt quand même. Luma est mort. Luma est mort. Mais attention là, parce que là on est en edge guarding. Et là il a reverse. Hein. Il est passé directement derrière. Il a dit non, non, c'est toi qui vas te mettre en edge guard, c'est pas moi. Allez. Et ça tuera. Oh, ça tuera pas. T'as ton tour de DI in. Et là on est comment? Ouais, ouais. Et là c'est compliqué pour Omika. Regardez-le. Il redescend trop bas. Il est remonté. Il est remonté, il a bien été patient, mais là la roll derrière qui va se faire intercepter avec le Luma. Le Luma qui fait sa vie. Attention, j'ai peur hein, de ce down 3 up air, on l'a vu des milliards de fois. Et le up smash qui est trouvé. De toute façon, la tradition dans Smash 4, c'est le reset. C'est la tradition, vous le savez. Petit message de Ntaiki qui nous dit que regardez cette grande finale devant sa raclette, c'est top. Non mais il est pas en train de bouffer. Putain Chris, je te déteste. Chris, je te déteste. Allez, c'est pas grave. On est sur l'Ilat. Il a pas été ban par Alex malgré la sa défaite tout à l'heure dessus. Ouais. Ouais, on est sur l'Ilat. On l'a pas dit hein, mais on est sur l'Ilat. Le choix qui avait été payant hein, tout à l'heure pour Omika, donc espérons pour lui. Qui puisse rentabiliser ce choix, en tout cas avec Xiao qui va devoir trimer, qui va devoir galérer pour l'instant pour essayer de revenir dans le score et arracher ce reset. Les mains de Luma qui ne vont pas se laisser faire, le jab qui est déchaîné, mais dans un pas bien fini, la mitre à l'air, le grid, c'est très joli. Vous avez vu hein, comment ça lag pas beaucoup hein, finalement le F-Smash hein. La FAF du F-Smash de Rosalina qui doit être de l'ordre de pas genre 26-27 frames, un truc comme ça. Je me risquerais pas à un truc absolument dégueu quand je les connais pas du tout. Allez, par curiosité, je dis 26-27 hein, qui dit mieux dans le public évidemment. Mais La personne qui sera le plus proche de la vraie réponse gagnera une feinte ce soir. Merci TPK, offert par TPK. Oui, il gagnera une feinte évidemment que je lui offrirai. Et oh, l'option de faire des up throws avec Amphi. Du coup, c'est vrai que pour un juggle, c'est pas embêté par Luma en fait, pour faire ces petits combos alors qu'il y a un up throw, c'est plus compliqué. Mais, le trailer qui s'interrompt par la Luma, le juggle non, la piste passe pas, perfect shield, pas de position derrière. 50 frames, on est très loin. Hein. On est très très loin en fait. Hein. J'ai rien dit. J'ai rien dit, en tout cas Ivan pour 100 pour l'instant, bah ouais, Lexiao qui vient de remettre les pendules à l'heure avec son fer. Super, le mec qui est décédé, c'est l'un de Lexiao, c'est l'un de 50-50. Ça tuera pas malheureusement. Et mais là. Non mais. Oh oh oh, oh raté. Ah, et dommage malheureusement Lexiao qui a pas réussi à rentabiliser, mais là Luma qui est revenu. Et Luma qui a dit mais attends mais qu'est-ce que tu fais Lexiao, ça va pas? Ma maîtresse, ma maman du coup, ma qui maîtresse. Est en train. Ma maîtresse carrément. Ma maîtresse, on dédicace. Voit l'homme du Nord, on voit l'homme du Nord qui parle. Bref. Oui, bah maîtresse, évidemment, hein, Dominique Strauss-Kahn, dédicace, évidemment. Le Carlton est à Lille. Allez, pendant que. Mais oui, évidemment. Allez, pendant que. Pendant qu'on parle de Carlton et d'affaires absolument ignobles. Et le pro qui tuera. Cette première stock. Oh, oui, aussi. Hein. Ah, mais voilà, mon père il est là-bas. Allez. Ah, pas 7% malheureusement. Et le mec il fait bien. Il est pour péter ce combo. Encore une fois. Ouais. Tu me chopes ou tu meurs. Et là on est en train de se diriger vers la balle de match et de Nantes Arena 17.2. Si, et bien Omika, pardon. Et oui, ça lève les bras, mais ça a raison de lever les bras. Parce que concrètement, on est en train, et bien déjà, d'observer un top 2 Orcs eSport. Et là, mon Eliane. C'est beau. C'est beau. Voir une structure comme ça qui se dégage, c'est magnifique. Petit rappel que lui n'est toujours pas sponsoré. Bref. Oui, oui c'est vrai. C'est un peu triste. La forward air qui tape dans le Luma qui fait beaucoup de dégâts, mais il n'a pas du tout touché Rosalina. 33% le pourcentage bordelais, le pourcentage de la Seine-et-Marne. Non, je sais pas. Ah, c'est compliqué, hein. Là pour l'instant, 30% d'écart. Le Luma qui est mort dans un cri de souffrance terrible, on l'imagine. Oh, le pendulaire dodge, mais non. Malheureusement, voilà. Je disais qu'il y a le rythme, qu'il y a pas le bon pacing. Il trouve que le backer. Il trouve que le backer. Et le reset est arraché. Non, on finira pas à l'heure. Voilà. On finira pas à l'heure. Magnifique. On finira pas à l'heure. Alors du coup, à qui la faute? Lexiao ou Street 2X et 3-3? Ah. C'est. Ah, c'est le 4. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
C'est vrai qu'on a 4 heures d'avance. On a donc officiellement 4 heures. Donc voilà, 4 heures d'avance sur l'année dernière. C'est absolument gigantesque, gargantuesque, époustouflant, mirobolant, tout ce que vous voulez. Allez, bah du coup, le reset est annoncé. Le reset est annoncé. 0, 0. On est reparti. Elexiao contre Chronica. Elexiao qui nous a fait la remontada. La bonne remontada. Malgré le CP de Lilac, il a su se débrouiller et renverser la vapeur. C'est un petit de Jiggle et là, voilà, Omika à nouveau. Je vais lire ces informations, prendre l'information par Elexiao qui envoie en l'air son option. Est-ce qu'il air dodge, est-ce qu'il attaque, est-ce qu'il saute, etc. Tant pis, je parle pour moi. Oui, parce que tu parles, parce qu'Eliane parlait. En fait, je parlais depuis le début. Ah. Personne ne le sait. Voilà. J'ai fait semblant de dire. que j'étais mort, évidemment. Sans ta mère. Allez. Dans tous les cas, 7% seulement d'infligés. Hein. Oui. Seulement 9 en maintenant. Compliqué. Le chiffre 9 qui m'a fait beaucoup de mal aujourd'hui. Donc on va éviter. On va éviter d'en parler. Un traumatisme récurrent. 9 et 9 et 9 9 9 9. Conneries. En tout cas, 9%, 136%. Ouais, conneries. Excusez. Mais non, pas de Luma, pas de rage Luma. Bullshito dazé. Où est-ce qu'il est, Wistikol? Où est-ce qu'il est? Allez, 148%. Ouais. Ouais. Ça tue pas, ouais. Tu vas avoir droit à la Omika spéciale. Ça, allez, hop. La douille. La douille. Oh non. Et là, Luma qui a tué Rosalina puisqu'il y a eu un frame freeze. Hein. Ouais, hitbox étendu par Luma. Et pourtant, j'entends mon micro vibrer. Là, le père. Oh, oh là, le pitch qui vous dégâts. La downer. Par contre, là, Omika sur cette stock, qui est en train de nous faire mentir. Là, concrètement, il nous a dit mais attendez. Il y a un moment donné, je joue mon perso, je le joue pas. Et là, l'Edge Guardian qui a malheureusement un peu loupé. Là, il a perdu sa patience, malheureusement. La dash attaque qui est trouvée. Le fer qui n'est pas du tout. Mais là, le smash directement rentré. Ça, il faut empêcher là. Deuxième le landing, deuxième, 47%. Là, Rosalina qui se fait littéralement. Ah non, je vais pas utiliser ce verbe. Mais dans tous les cas, 130, 40%. Oula. Oula, oula, oula. C'est compliqué. Oula, oula, c'est lui. Le Marsu, Pilami. Oula, oula. 40%, et on a vu Omika qui était très bien parti pour leur stock sans prendre un seul pourcent et d'un seul coup 84% dans ton visage. Et il descend avec lui hein, maintenant, il a un petit peu plus confiance sur son Edge Guarding. Oh. Allez, c'est maintenant qu'il faut concrétiser. Non, oh, dommage. Ah ouais, ouais. Oh, left smash sur ce dash grab un petit peu mal spacé malheureusement. Le perfect niveau d'harmonique qui ne sert pas à grand chose. Dommage parce que là concrètement, vous pouvez concrétiser quelque chose hein. C'est clairement l'occasion, mais les plateformes qui se sont bien réunies juste pour derrière Omika et le protéger de toute finish. Ah, est-ce que c'est l'heure? Est-ce que c'est l'heure de voir les étoiles? C'est l'heure de voir les étoiles. Avec toi, s'il te plaît. Est-ce que c'est l'heure de voir les étoiles? En tous les cas, bah pour l'instant, Omika qui se laisse pas faire. Ce oh c'est pas. Oh non! Allez, la dabuzz! Fini. La dabuzz! Ouais. La dabuzz! Ouais, que dabuzz. Des douilles. Et c'est une victoire pour Harmonie et Luma. Oula, oula. On peut attendre la fin du set d'abord. Ah bah oui, avant là. Bah oui, non alors. Coucou, 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 coucou. Ça ne sera pas dit dans le micro. C'est bien. On là, relance là, le c'est débat. Pas mal. Là on doit m'entendre un peu plus. Parce que vous voilà. Aussi, pour dépanner, ça vous en fait j'étais là. Pour arrondir les fins de mois. Allez, pendant qu'on parle évidemment de moult sujets intéressants. Voilà, évidemment. Vous aussi prenez part au débat, allez, Town and City. Encore, encore. Encore, encore et encore, ça ne s'arrêtera jamais. D'accord, Cabrel qui nous regarde de la fin fond, du fin fond de sa cabane, évidemment, au bout du jardin. Avec la petite Marie. Oui, évidemment. Avec... Oui, avec la petite Marie, évidemment. Allez. Dans le Nord. Allez, pour l'instant, voilà. Joli roll très bien spacé pour passer derrière le jab. C'est dégueulasse. Luma est mort, mais Omika ne... Oh, oh, oh le mec, il avait
bien sniper cette recovery avec ce downer qui t'envoie tout doucement vers ta défaite. Alors donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec Smash, sachez que le coup qu'on a vu c'était donc le downer de Rosalina qui balance une espèce de projectile qui sert de disjoint et qui va spike donc pousser vers le bas. Et là bah pousser beaucoup trop bas malheureusement pour Elexiao qui lui a pas permis de revenir sur le terrain, ce qui lui a donné la première stock. Mais le dernier qui l'a pas connecté. Ou un cerceau d'ailleurs. Ou une auréole selon les avis. Ou une auréole oui. La pression forward derrière, le mec qui est mort et voilà l'option agressive qui est outspace par Elixiao. Oh, c'est vrai que c'est probablement ça, les anneaux de Saturne. Ouais, c'est clairement pas d'une. Ouais, ça sera coupé au montage, évidemment. Quel. Il n'y a pas de montage. Est-ce que c'est là hey ok non. Il a failli nous faire la dameuse inversée hein, là, Elixiao. Ça aurait été la justice après tout. Ouais. Mais voilà, Greninja, ça le perd malheureusement. Et justice for all. Bonne for all, tout ça. Il casse à MHA. Et. Cette neutrale air qui trouve l'avantage. Et c'est au nouveau centre du terrain, mais dès qu'il se fait taper, voilà. Il cherche quelque chose, au final, il se respecte trop, il se fait bourrer dedans par Omika. Mais regarde un petit peu comment c'est even pour cent avec là, le Jaja Buntage qui passera pas. Oh, le petit Tomahawk. Et je sais pas si les options de cross-up là, de Elexiao sont si rentables que ça parce que le mur est quand même difficile à passer hein, côté Omika. Allez, je suis très surpris parce qu'il a fait le vent en radar et ça a envoyé nulle part. Ouais. Genre il y a 95% quand même, tu vois. C'est ça. Allez, le flash qui est pas trouvé. Malgré l'attaque out. Complètement lui, mais le timing n'était pas là. Et le F smash pour outspace voilà. Celui des Lex. Double disjoint. Attention, attention. Ok, ils sont coincés tous les deux en dissuasion des joueurs de Smash. Ce sont des professionnels, ils sont encore en vie. Ne faites pas ça à la maison. Allez, il va lui courir dans le shield. Le Luma qui n'est plus là, c'est le moment de profiter de l'absence. Pour l'avantage positionnel, la bagarre qui n'est pas passée à rien. Genre, il est tombé pile au bon moment et il a shieldé sur la plateforme. Oh là, c'est fort. Hein. Oh, le DR préventif qui suffit à mettre en position d'Edge Guarding. Oh là. Le fer qui est trouvé. Allez, on est en position d'Edge Guarding, Elexiao. C'est le moment de concrétiser. Et encore une fois. Et c'est la même que sur une game qu'on a vu dans le set précédent. Ouais. Exactement la même. Très bien joué par Elex. Donc 1-1 après ce reset. Un partout, mais il manque chacun. Franchement, il manque plus que le moment où Elex va prendre Pac-Man et on va aller autant à chaque fois et on sera à minuit. On va avoir un counter pick Pac-Man d'un côté, Wi-Fi trainer de l'autre. En vrai, Pac-Man contre Harmony, ça me semble être une des terribles idées. Donc allez, troisième game de ce set de la grande finale Reset, gagné par Elexiao, je vous le rappelle. Mais là, les joueurs ont l'air de se rendre les points coup par coup. Coup sur coup d'ailleurs, mauvaise joli préposition. Joli grab back air. C'est un peu surpris qu'il n'y a pas très bien DI. Mais on a déjà un avantage de 30% côté Omika. Et là, les deux qui jouent depuis quand même, comme on l'a dit juste après Reset, ça fait quand même quelque chose comme 6-7 games qui jouent. Non, pardon, excusez-moi. 4-5 games. Ah, il devait être exténué, hein. Exténué, mais surtout le niveau de mind game entre les deux. Ouais. Il est assez élevé. Et on voit après, les deux qui rollent, qui sont assez stressés quand ils sont collés l'un à l'autre. Et là, on l'a vu tout à l'heure, voilà, les multiples neutralaires, la pression. Rosena Sanso, mais Rosena qui trouve le terrain. Pour l'instant, ça se touche shot, mais ça ne concrétise pas grand chose. Ah, mais Omika, il a une option intéressante qui dash rolling down smash, qui est très intéressante finalement parce que Elexiao qui a tendance à rester beaucoup sur place pour attendre et être patient, et ben ça peut le tromper. Il peut prendre un down smash comme ça par-ci par-là.
Ah, le Luma qui s'est fait caresser. Enfin, ouais, même si c'était le Sour Spot, c'était exactement l'hitbox dont Elixir avait besoin. La forme rentre pour l'avantage. Le Water Shuriken qui passe pas grand chose. La pression sur le ledge, un ledge rap peut-être. Oh, très bon spacing de Lex. Oh, la forward air sur le drift de Omika. Très 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 bien trouvé. C'était magnifique ça. Et donc, les deux joueurs flirtaient pendant un moment et puis d'un seul coup, Lexiao a pris l'avantage, le ledge rap et il a su venir là. Oh, en parlant donc de lecture de trajectoire, voilà un magnifique smash. Omika, il est impérial. C'est là que tu vois qu'il connaît vraiment Lexiao parce qu'il connaît toutes les phases d'edge guard de l'amphinobi de Lexiao. Et c'est ça qui est beau. Parce que après le back air, mais alors du bout des pieds, il y avait le F-Smash bien senti. Et c'est là qu'on voit la présence d'esprit du joueur et la connaissance du match-up. Hein. Ah, peut-être l'assistance des plateformes pour une douille, non. J'ai eu la pression. L'outspace, voilà. La neutralité de Renja qui a très bon tool et Gomika qui a très bien compris que se prendre dans son shield, c'est pas la bonne option. Il va donc tenter de l'outspace autant que possible. Autant que possible, c'est sûr, autant que faire se peut. Even pour cent encore, peu ou prou. Avec la Omika qui essaie de creuser le nerf pour essayer de catcher un petit peu toutes les frames à la relevée de Rollin. Ce sera pas à voir Alexiao hein, sur cette tentative d'edge guard. Oh, jab. La pression qui est complètement là. Omika qui est forcé de Rollin roll out de tous les sens. Mais le roll, hein, la roll de Rosaina qui est très très bonne. Hein, qui est excessivement bonne. Hein. Qu'est-ce qu'elle est bonne? Mais qu'est-ce qu'elle est? Oui. La roll. Et pour l'instant, Omika, dans l'endroit, c'est un peu roulé dessus. Enfin, la pression de l'extérieur est clairement présente. Oh là, le double Tomahawk. Le punish peut-être. Oh, Luma. Oh, le Luma qui était absolument là. It's directement. Two time. Ça va tuer. Pas. Non, ça ne tue pas. Tu as du tout. La lucarne, très bien trouvée. Oh le saut. Eh bah écoute, on se revoit sur l'observatoire finalement. Allez, jab l'air. Contre à l'air. Bien DI. Ça tuera pas. Oh, la dernière qui n'est pas passé grand chose. Alexiao qui est en sueur, ça va tuer. Alexiao qui lève le poing vers le ciel. Parce que c'est là où se trouvait Rosalina après cette up-throw qui était bien trouvée. On va se diriger vers un 2-1 pour Alexiao. Balle de match, les deux sont absolument fatigués, exténués parce que ce sont des matchs quand même ultra longs. Hein. Ces matchs joués très longs. Ah non, mais c'est très long, hein, c'est éprouvant. Hein. C'est éprouvant, potentiellement la balle de match dans Arena pour Alexiao qui a signé le reset, qui après avoir été mis en loser par Ursuzbek par un solide 3-0 est revenu, mais alors des enfers. D'entre les morts, dédicace à je sais pas d'ailleurs. On est tous à Hades, voilà Hades. Hein, j'ai la flamèche éteinte. Dédicace à Hades, mauvais méchant d'un très bon animé. Non, c'est pas vrai. Qui nous regarde évidemment. Et pour l'instant, la. Oui aussi, Lexiao d'ailleurs. Qui a un clair avantage. Le smash a touché uniquement l'humain, mais il a pas viré assez loin. Oui. En ego. Incroyable. Oh, c'est un petit peu bizarre. Tout va bien. Et à Bob l'éponge, en fait. Ouais. Et remerciement à tous les toutes les références possibles de TPK. Allez, pendant qu'on disait n'importe quoi. Et 50% d'avance, un petit peu moins. Plus. Et le respect total est présent. Ah, il respecte, mais là l'avantage au pourcent, il a pas trop à s'inquiéter plus que ça. Hein. Pour l'instant, le LX il tourne autour, il tente. Alors, faut savoir qu'il a pas à s'inquiéter jusqu'au moment où tu te prends une paire dans la blast zone. Oui. On l'a vu. Ouais, oh. Et ouais, le up smash, là vous avez vu, il a contourné avec le down smash, c'était suffisant pour Lang pour tuer. Peut-être un petit peu plus rapide que le up smash, ce down smash. Il a voulu sécuriser, il a eu raison. Est-ce qu'il va réussir à égaliser Omika? Peut-être balle de match pour Alexiao. Eh putain, mais il doit avoir la tête qui tourne en Finobi hein. Depuis 45 minutes qui court partout. Il doit avoir la tête qui tourne et pour l'instant Alexiao, si on a bien qui fait tourner la tête à Omika, c'est bien Alexiao. Et c'est encore une fois bloqué sur le ledge. Non, il arrive à s'en sortir avec ce neutral air. La guide de bataille malheureusement. Il laisse Omika hors du terrain et Alexiao respirer. Et voilà, et au final Omika qui prend son temps sur le ledge pour réfléchir et Alexiao qui respecte. Oh oh, le drag.
Ok, on a failli avoir quelque chose de très intéressant avec le drag down. Malheureusement, ça n'est pas allé jusqu'au bout. Allez, la position, Death Party, Diomika. Le Lexiao qui va revenir avec là. Attention, Père, le frame freeze du Luma qui n'a permis d'aller nulle part. Et là, ça commence à se jouer sur le poil de cul. Il avait lu ce roll, mais malheureusement, un tout petit peu trop loin. Et. Hey, le slash qui est pas passé, malheureusement, le slash non plus. Et bah, c'est. Oh là là, c'est compliqué, hein, Omika. Oh, la power d'air. Y'a plus de Luma, mesdames et messieurs, y'a plus de Luma, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lexiao est en train. Oh là là, le down smash qui est loupé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le down smash qui était loupé, mais là il a l'avantage positionnel sur la plateforme avec l'Omika. Ah, il galère là, l'Omika. Il galère l'Omika. Pas d'air dodge. Ok. La bagarre qui est juste à l'embrouille. L'Omika qui est ultra solide dans la patience de soi. Oh, et Lexiao qui s'incline. Le champion de cette Atlanta est là. 17 points de Lexiao. Maximum de bruit s'il vous plaît.